Tu vois là mon écran là? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est fait exprès. C'est fait. Est-ce qu'on m'entend là? Voilà, bah là je suis en train de te parler au téléphone. Ouais. Alors attends, ouais, on s'entend? Bon, très bien. Je suis passé en mode plein écran, ça. Ah non, mais ouais, mais moi je vois, du coup je vois pas. Ok, alors je te passe en haut-parleur. Ouais, mais du coup, je te passe en haut-parleur là pour que. Ok. Ah, t'es en haut-parleur là. Bien, merci Pierre-Yves. Merci de cette introduction. J'ai effectivement l'honneur d'inaugurer le séminaire général confiné de D'Alembert. Alors, au cours de ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'appréhender de plus près une jolie citation de Michel Serres qui nous a quittés récemment. Michel Serres disait la science, c'est ce que le père enseigne à son fils. Papa, on n'a toujours pas fait le devoir de maths. Et il ajoutait, la technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa. Papa, tu as bien branché la Wi-Fi? Michel Serres aurait peut-être pu ajouter que c'est pas toujours gratifiant. Bien. Alors aujourd'hui, je vous présente donc des transparents en anglais. Mon discours sera en français. Bon, j'ai préféré faire des transparents en anglais afin de permettre l'accès au contenu à nos collègues anglophones qui sont nombreux au laboratoire. Alors, je me permets quand même de vous signaler que vous trouverez sur ma page web, tout en bas de ma page web, donc vous avez ici là, hein, les transparents des planches les planches que je vous présente aujourd'hui au format PDF, si vous préférez. Bien. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler, comme Pierre vous l'a dit, de la sécurité des engins spatiaux habités, et plus précisément de maîtrise de l'incendie et de contrôle de la production de particules de suie. Alors je vous montre tout de suite hein, une flamme ici qui va se propager sur la gaine d'un fil de polyéthylène, gainé de polyéthylène. Donc vous avez ici le cœur métallique, hein, j'espère que vous voyez ma souris là. Le cœur métallique, ici la gaine de polyéthylène, et donc vous avez vu hein, ici une flamme qui, en micro-pesanteur, se propage au sein de cet écoulement oxydant parallèle
au fil. Ce que vous voyez ici, c'est d'une part une flamme relativement jaune, hein, et puis ici, vous devez pouvoir observer un échappement de particules de suie, donc les fumées, hein, qui s'échappent de cette flamme. Or, dans cette flamme, hein, il va être important de quantifier la façon dont la chaleur revient depuis la flamme vers la gaine qui va se vaporiser et qui en retour va donc l'alimenter. Alors pour ce faire, il faut en particulier être capable d'évaluer les émissions radiatives, hein, depuis la flamme vers la gaine de polyéthylène. C'est ce que je vous montre ici, hein, vous voyez ici le profil du fil que vous avez ici, hein, et puis vous voyez ici la distribution de flux radiatifs, hein, depuis la flamme vers la gaine de polyéthylène attribuée aux particules dessus. Donc on voit maintenant, hein, le lien avec les mains ici entre la propagation de flammes et puis la production de particules dessus. Bien, alors, vous ayant dit ça maintenant, je vais vous démontrer quand même que la combustion à D'Alembert n'est pas un épiphénomène, et ça n'est pas un épiphénomène parce que, en particulier, elle s'inscrit dans une longue tradition. Et j'ai ici choisi, hein, de façon assez subjective, quelques dates clés qui nous mènent au discours de ce jour. Donc en 1992, René Gatignol et Roger Prudhomme, nos collègues de D'Alembert, ont participé à la création d'un groupement de recherche CNES-CNRS autour de la micro-pesanteur, la science de la matière en micro-pesanteur, et la preuve que leur lourd investissement a prospéré. Je vous montre ici le site web actuel du GDR, donc micro-pesanteur fondamental et appliqué, présidé par David Brutin, professeur des universités à Aix-Marseille Université, et co-présidé par Christophe Delaroche, responsable de la science de la matière au CNES. Alors effectivement, la combustion en micro-pesanteur, ça présente un certain intérêt. Je vous montre ici une flamme, hein, que vous expérimentez tous les jours, lorsque vous fêtez un anniversaire par exemple, hein, et puis cette flamme est tirée là, hein, est tirée par l'écoulement. Pourquoi il y a un écoulement? Eh bien parce qu'il y a une libération de puissance par la combustion, hein, qui va provoquer un gradient de température, donc un gradient de densité, et lorsque vous avez un champ gravitationnel, ceci crée les forces de flottabilité qui vont donc permettre l'échappement des gaz chauds qui vont monter et l'alimentation par des gaz frais qui arrivent par le bas. Et donc en retour, évidemment, vous allez pouvoir libérer à nouveau de l'énergie pour permettre à cette flamme donc de s'établir de façon relativement stationnaire. Lorsque vous supprimez maintenant la gravité, eh bien vous voyez cette flamme ici, hein, cette fameuse représentation, hein, que l'on doit à la NASA, qui va devenir comme une boule, hein, dans la mesure où eh bien, l'écoulement que je vous décrivais juste avant n'existe plus, et c'est donc essentiellement des phénomènes de diffusion qui vont piloter le transport des espèces à la zone de réaction très bleue. Alors vous voyez, c'est la deuxième différence, hein, on a une différence de topologie de la flamme, mais également une différence de spectre d'émission de la flamme, elle devient très bleue, un petit peu jaune quand même, ici on en reparlera, hein, de ces émissions radiatives plus tard. Bien. Alors j'ai choisi une expérience en micro-pesanteur qui est celle de Paul Rouvenet. Paul Rouvenet, lui, va se poser la question, est-ce que c'est il y a une existence physique, hein, à la solution stationnaire d'une flamme pré-mélangée qui est prédite, hein, par la théorie dite de Zeldovich. Effectivement, lorsque vous allumez un pré-mélange, alors prenons l'expérience de Paul Rouvenet, hein, c'est-à-dire un mélange d'air avec un petit peu de propane mélangé à l'état moléculaire et vous enflammez avec une étincelle, hein, et bien lorsque vous êtes à gravité terrestre, bah, systématiquement la flamme, hein, va grossir, okay, elle va se répandre. Or Zeldovich prédisait qu'il existait une solution stationnaire, c'est-à-dire qu'une flamme qui va se stabiliser avec un diamètre stationnaire, hein, et les transports des gaz frais vers la flamme et les transports des gaz brûlés depuis la flamme vers son environnement permet une stabilisation de la flamme. Ça n'avait été jamais observé
à gravité terrestre. Et je vous montre ici l'enregistrement à bord de Columbia en 1996 de l'expérience de Paul Rooney, qui a donc volé avec son expérience. Et donc vous allez voir ici trois petites flammes. Alors pourquoi trois petites flammes? Parce que l'étincelle initiale n'est pas parfaite. Elle va provoquer l'allumage en trois endroits. Et puis vous voyez que effectivement les flammes ne grossissent pas, en tout cas pas outre mesure, et qu'on observe ici des flammes donc à rayon stationnaire. Alors ce qui est intéressant ici quand même, c'est que vous voyez les flammes, donc les boules là, s'écarter. Alors on s'est posé à l'époque la question, Paul Rooney s'est posé la question, et Paul Rooney a supposé qu'effectivement entre ces flammes, eh bien, il y a des actions inverses qui s'opposent, en particulier lorsque ces flammes libèrent de l'énergie, vous allez avoir ici un cœur un petit peu plus chaud, okay. Alors ça a plutôt tendance à accélérer la vitesse de flamme à l'intérieur plus qu'à l'extérieur, qui est un peu plus froid ici, à l'extérieur de la zone. Et donc ça a tendance à provoquer un rapprochement des flammes. Mais à l'inverse, dans cette même zone, vous avez une diffusion d'une concentration en gaz brûlé qui va se trouver un petit peu plus forte ici au cœur. Et du coup, les gaz frais vont être dilués, et c'est plutôt vers l'extérieur que la vitesse de flamme va être plus grande qu'à l'intérieur. On voit que au final, c'est plutôt le deuxième effet qui l'emporte. Bien. Alors, en France, les expérimentateurs ne sont pas en reste. Dans les années 90, je recense ici, de façon encore une fois subjective, des groupes à Paris avec Roger Prudhomme, Daniel Durox ou Philippe Scoufflaire. À Orléans, le groupe de Christian Chauveau, et à Poitiers, le groupe de Pierre Joulin, José Torero et Jacques Bayarchin, qui vont monter un certain nombre d'expériences. Je n'ai évidemment pas le temps de toutes les détailler ici. Je vous montre simplement que Roger Prudhomme a dirigé une revue récente de ses expériences en micro-pesanteur en France. En 2012, est lancé le projet Sapphire par la NASA, et en particulier David Urban et Gary Ruff. Et ces deux éminents combustionnistes vont avoir l'intelligence de regrouper autour d'eux une équipe internationale, une topical team, qui rassemble un certain nombre de personnes, de sorte à mener à bien un projet d'envergure, ce qui est donc le Spacecraft Fire Experiment. Vous voyez ici le module de ravitaillement de l'ISS Cygnus, qui est un consommable lui-même. Il va donc ravitailler l'ISS. Les spationautes prennent le ravitaillement, ils mettent quelques poubelles, pas grand-chose, beaucoup de choses sont recyclées sur l'ISS, ferment le SAS, Cygnus quitte l'ISS, et est freiné sur son orbite, et va être donc brûlé à son retour dans l'atmosphère. Entre l'instant où Cygnus quitte l'ISS et les premières secousses de la réentrée atmosphérique, eh bien, il y a 22 minutes de micro-pesanteur parfaite avec un habitacle à échelle 1. Donc, nous avons réalisé en juin 2016 le premier essai à échelle 1 d'un feu à gravité terrestre. De la même façon, je n'ai pas énormément le temps ici de vous présenter les résultats. Sachez que l'équipe de Dan Robert est donc associée à ce papier qui relate, qui documente les effets d'échelle sur les feux de véhicules spatiaux en micro-pesanteur. Alors, fort de cette dynamique créée à l'échelle internationale, Bernard Zappoli, puis Christophe Delaroche, son successeur, vont me pousser à créer un banc expérimental à D'Alembert, Diamonds. Je vais alors être soutenu par Pierre Sagot, qui dirige alors l'équipe fluide réactif et turbulence, et Stéphane Zaleski, notre directeur à l'époque. Des lourds efforts par Jean-Marie Citerne, que vous allez voir ici, en train de monter from scratch, depuis zéro, ce banc expérimental appelé Diamonds pour Detection of Ignition and Mitigation on Board for Non-Damaged Spacecraft. Et voici donc Diamonds en vol, qui a volé pour la première fois en 2014. Bien. Et donc on arrive quand même, je précise, en 2019, à la première thèse soutenue à D'Alembert avec Diamonds
par Augustin Guimbaud. Je précise ça parce que c'est effectivement notre mission aussi, la formation par et pour la recherche. Bien, alors, pour contrebalancer un peu la citation de Michel Serres, qui est un peu masculine, voici une belle citation aussi de Marguerite Yourcenar. Une once d'observation raisonnée vaut plus qu'une tonne de songe. C'est particulièrement vrai pour la combustion en micro-pesanteur. Pourquoi ? Parce qu'on a assez peu d'occasions d'observer la combustion en micro-pesanteur. On sait simplement en particulier qu'elle est très dangereuse à bord d'un véhicule spatial. Et vous voyez ici une photo qui date du 16 janvier 1997. Vous constatez que les cosmonautes à bord de la station Mir de l'époque avaient bien conscience du danger d'un incendie, puisqu'ils utilisent, comme vous, un gâteau d'anniversaire, mais avec des fausses bougies. Et pourtant, le 24 février 1997, vous voyez ici un cosmonaute qui avait lui-même lancé la mode du confinement avec un tube qui est le générateur ici de poudre, à poudre de dioxygène, qui a pris feu. Vous voyez ici le départ de feu qui a abouti à la condamnation d'un module de Mir, et les commentaires de l'astronaute ici, qui était à bord, Leininger, vous dit que effectivement, ce qui était impressionnant en particulier, c'était l'ensemble des fumées autour du feu. Alors il faut savoir quand même que ce type de générateur est toujours utilisé à bord de l'ISS. Bien. Alors, la NASA, effectivement, travaille beaucoup vers les trajets à très longue portée, si possible vers Mars, donc, et elle a identifié un certain nombre de verrous technologiques aujourd'hui, et en particulier des verrous qui ont trait à la sécurité incendie. Alors, aujourd'hui, je vous montre ici un petit passage. Aujourd'hui, un des principaux problèmes, c'est en particulier qu'il y a tellement de détecteurs qu'il y a beaucoup de fausses alertes, et que la NASA craint en particulier que l'accumulation des fausses alertes finisse par déstabiliser l'équipage, et puis soit contre-productif, puisqu'il aura il aura plutôt tendance à désactiver les systèmes de détection. Bien, alors, je vous montre maintenant ce qui se passe effectivement à bord de Diamonds pour qu'on y fasse quelques observations préliminaires. Et je vous montre ici donc un porte-échantillon avec le fil que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez à quoi ça ressemble dans la main d'un expérimentateur ici. Et puis on va observer tout de suite un essai en fait qui est réalisé en mars 2015, une des premières campagnes CNES. Voilà. Je vous montre ici, alors je vais essayer je m'arrête sur une image. Je vous montre ici ces premiers essais avec ici la visualisation de trois fils. Donc avec un rétroéclairage, c'est pour ça que vous allez voir un scintillement, et puis ici la visualisation directe de donc trois propagations de flammes concomitantes. Alors on va faire exprès ici de déposer un petit peu moins d'énergie sur la gaine centrale, et donc un petit peu plus sur les gaines latérales, de sorte à provoquer une avance de propagation sur les gaines latérales. Donc je vous montre ce qui se passe ici. Vous voyez que d'ailleurs ce sont des visualisations en noir et blanc, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Et puis vous voyez donc ces trois propagations ici. Alors si ça passe pas très bien à cause du débit, rassurez-vous, je vais faire un arrêt sur image ensuite. Et vous voyez que le retard initial de la propagation centrale, eh bien finalement, est rattrapé. Alors ce qui est intéressant, c'est que en micro-pesanteur, systématiquement, la propagation centrale rattrape les deux propagations latérales. On a fait 4 essais, à chaque fois ça a marché. Et on reproduit la même chose à gravité terrestre, ça n'arrive jamais dans cette configuration-là. La gaine centrale est toujours en retard par rapport aux gaines latérales. Bien, alors je vous montre ici un arrêt sur image. Ici, le temps, c'est le temps après le début de la micro-pesanteur en vol parabolique. Donc, vous voyez que ici, ce que vous voyez là, les traits,
ce sont l'isoniveau le long de la gaine. Alors, effectivement, au départ, hein, on a monté la visualisation un petit peu comme on pouvait, il y avait un problème de parallaxe, donc on corrige ici hein, la parallaxe, et vous voyez ici donc le retard au départ de la propagation sur la gaine centrale, et puis à la fin de la période de micro-pesanteur, on voit que la propagation a rattrapé hein, les deux propagations latérales. Bien. Alors pour comprendre ça, eh bien, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. À l'intérieur de cette flamme, vous avez ici un schéma qui représente le cœur métallique, et puis ici la gaine en rouge de polyéthylène, hein, et cette flamme donc qui consomme cette gaine de polyéthylène. Dès lors que les forces de flottabilité disparaissent, eh bien, les transferts radiatifs en particulier hein, vont être très très importants dans ce phénomène qui permet à la flamme de chauffer la gaine et d'obtenir en retour un transport de combustible pyrolysé. Ça, c'est extrêmement important en micro-pesanteur, puisque la convection naturelle amène moins facilement hein, la chaleur à la gaine. Je vous montre à présent des expériences, hein, cette fois-ci obtenues en octobre 2018, hein, au cours de la thèse d'Augustin Guibaud en particulier. Alors vous allez voir maintenant que bah, on a amélioré le processus, hein, les visualisations vont être plus jolies, et on est revenu cette fois-ci pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans cette flamme sur une seule gaine qui va donc subir une propagation de flamme. Alors là, vous avez ici une visualisation directe de la flamme. Ici, vous avez avec un rétroéclairage, et sur cette image-ci, on va prendre l'image rétroéclairée, on va y soustraire l'émission naturelle de la flamme, et vous allez voir apparaître hein, quelque chose de sombre qu'on va attribuer donc à la présence de particules de suie. Donc au départ, vous avez ici un allumage hein, par un fil de tantale porté à incandescence. Vous allez voir la flamme qui va donc être créée sur la gaine. Et puis vous voyez que pour ces conditions-là, on a une propagation hein, avec cette zone, hein, vous voyez bien là, la zone sombre, qui trahit la présence de particules dessus. Bien. Alors on va passer maintenant à une autre condition. Vous voyez qu'ici, on est en Diamonds, hein, permet en particulier de bien régler la pression ambiante. On est à 0,9 bar, hein, 0,9 fois la pression atmosphérique. On passe un tout petit peu plus, hein, cette fois-ci à voilà, voici, avec donc une atmosphère. Voilà. Donc la même propagation, hein, j'accélère un petit peu là, voilà, et cette fois-ci, je vais faire un arrêt sur image, hein, vous voyez que déjà la flamme se propage un petit peu plus vite. Hein, et en plus, hein, cette flamme, vous allez constater hein, ici, là, qu'il y a une traînée, c'est-à-dire qu'elle s'est ouverte et qu'elle laisse échapper des particules de suie. Hein, ça, c'est un souci, hein, on l'a vu tout à l'heure, lors de l'incendie à bord 2000. Bien. Alors je vous montre cette fois-ci des arrêts sur image hein, de ces flammes. Vous voyez toujours hein, le cœur métallique. Vous voyez ici la gaine de polyéthylène. Hein, et puis l'échelle qui est ici. Je vous montre ici, toutes conditions égales par ailleurs, une fluctuation hein, de la pression. Bien. Vous voyez ici une flamme assez peu lumineuse, hein, qui devient de plus en plus lumineuse. Bien. Alors, se poser la question, quelle est la relation avec la production de particules de suie. Et à un moment, là, vous voyez, on constate cette fois-ci un largage, hein, au-delà de la pression atmosphérique, un largage des particules de suie. Bien. Alors ça, c'est un phénomène relativement documenté dans la littérature 1G sur des flammes stationnaires, hein, et c'est le phénomène d'étouffement. Quenching. Et évidemment, on peut se poser la question, quelle est la contribution des émissions, des pertes radiatives à cette oxydation qui n'est que partielle des particules de suie, et donc cette flamme qui va laisser échapper les particules qu'elle a formées. Et on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est un paramètre qui permet de contrôler potentiellement l'émission totale de la flamme depuis donc la zone de flamme, vers la gaine qui l'alimente.
Alors, j'en viens donc maintenant à l'identification hein, des verrous et la stratégie expérimentale que nous allons adopter ici pour essayer de vous quantifier ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, à savoir le flux radiatif par la flamme vers la gaine. Alors tout d'abord, il faut quand même regarder un petit peu ce que c'est qu'une particule de suie. Je vous montre ici en fait un agrégat de particules de suie. Vous voyez les observer donc prélevées à d'Alembert hein, et observées au microscope électronique. Vous voyez ici l'échelle, hein, 50 nanomètres. Classiquement, on est des sels, des particules primaires avec un rayon de 20 à 30 nanomètres et puis un agglomérat de ces particules primaires. Ces particules ont été prélevées à l'échappement de cette flamme dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une flamme parfaitement stationnaire, c'est une configuration dite de Santoro. Vous voyez ici un tube hein, au sein duquel un écoulement laminaire de combustible, en particulier ici de l'éthylène, C2H4, va alimenter cette flamme non prémélangée qui brûle au cœur d'un écoulement annulaire co-courant d'air. Bon, on peut faire un petit peu mieux que l'air, hein, mais pour l'exemple, ce sera ici de l'air. Et puis, ça me permettra hein, en particulier de venir chercher finalement des conditions certes à 1G, mais qui vont me permettre d'étudier le phénomène de quenching radiatif par cette flamme, hein, et puis de développer des diagnostics optiques et de les appliquer ensuite à cette flamme pour réussir donc à y quantifier les grandeurs relatives aux particules de suie. Bien. Alors les particules de suie, hein, on le sait aujourd'hui, sont un problème, hein, c'est de notoriété publique, elles sont un problème de santé publique, c'est également un problème de réchauffement global. Je vous montre ici des cartographies de poumons de rats hein, avec différents taux de pénétration des particules fines dans leurs poumons, et puis ici hein, des surfaces glaciaires, qui voient leur albédo augmenter du fait du dépôt de particules. Alors les exemples hein, de largage dans l'atmosphère, c'est par exemple ici dans les régimes hein, stationnaires des turboréacteurs, hein, des avions, et puis également, hein, vous voyez ici, l'influence des particules de suie, hein, des fumées, éjectées malheureusement donc par l'incendie de Notre-Dame l'an passé. Alors les outils dont on s'est muni à d'Alembert pour s'attaquer à ce genre de problème, c'est d'une part des flammes académiques dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette flamme stationnaire à 1G qui en plus est accueillie dans une chambre que vous voyez ici, hein, vous voyez ici les dimensions, hein, qui nous permet de travailler jusqu'à 10 atmosphères. Vous voyez également ici le banc donc Diamonds à bord de l'Airbus 0G français qui nous permet d'étudier ces flammes qui se propagent donc à l'intérieur de la chambre de combustion. Et puis ici, je vous montre hein, une photo du diagnostic optique dont je vais parler tout à l'heure, à savoir l'absorption émission modulée. Alors les gens qui traînent autour de tous ces résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien ils sont d'abord effectivement à la Sorbonne Université, avec, eh bien on a la chance à d'Alembert d'avoir une tech team sur le site de Saint-Cyr extrêmement performante, en particulier donc Jean-Marie Citerne que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais également Jérôme Bonetti, Hugo Dutilleul, Renaud Jalin, entre autres. Alexis Matinia, donc maître de conférence, qui a contribué également à une partie de ses travaux, et puis Yuta Oli, qui est le doctorant actuel, qui travaille sur le projet. Nous avons des collaborations, vous allez le voir, avec Aix-Marseille Université, en particulier donc Jean-Louis Consalvi à l'IUSTI, ainsi qu'avec le professeur Fujita à l'Université d'Hokkaido et José Torero à l'University College London. Donc Augustin Guibaud, hein, qui a soutenu et est à présent postdoctorant chez José. Bien. Alors qu'est-ce que c'est que les particules de suie? Je vous ai montré ce que c'était tout à l'heure, hein, observé par un microscope électronique. Alors on peut se référer pour comprendre un petit peu l'histoire de la formation des particules de suie à ce qu'on appelle le diagramme de Borkhorn. Hein. Vous avez ici une échelle de temps caractéristique à pression atmosphérique des formations des différents intermédiaires qui vont mener jusqu'à ces agglomérats que vous avez ici. Bien. Alors on part au départ avec des zones relativement riches
en longues molécules hydrocarbonées. Alors ici, l'exemple, c'est du N-heptane. Hein. Et puis, sous l'effet de la pression et ou de la température, eh bien, ces chaînes vont s'entrechoquer, former des intermédiaires réactionnels très réactifs qui, en l'absence de conditions oxydantes, vont avoir tendance à réagencer les carbones entre eux, de sorte à former des aromatiques, des polyaromatiques, hein, ce qu'on appelle des polyaromatiques acinturés, pH en anglais, hein, et qui vont finir par, dans une étape de nucléation qui est encore obscure hein, dans la littérature, par provoquer donc la nucléation de sphérules primaires qui elles-mêmes vont s'agréger, hein, et puis au final, potentiellement, vont venir rencontrer des molécules oxydantes pour être consommées. Alors, dans cette flamme là, dont je vous parlais tout à l'heure, alors cette flamme, hein, évidemment, présente un intérêt immédiat, c'est qu'en particulier, elle est axisymétrique. Hein. L'axe vertical, ici, est un axe de symétrie, c'est pour ça que je vous montre ici des champs, hein, uniquement des demi-champs, d'accord, avec ici l'axe Z, l'altitude 0 et le sommet du tube, ici. Et puis, vous avez ici l'axe R, la distance à l'axe de symétrie. Je vous montre ici des champs calculés par Jean-Louis Consalvi en fraction volumique de suie, hein, c'est-à-dire la concentration en particules ici, dans cette flamme, et puis ici le champ de température donc simulé par Jean-Louis Consalvi pour cette flamme d'éthylène brûlant dans l'air. Bien. Alors, lorsqu'on regarde les lignes de courant ici, hein, à partir en particulier des molécules de combustible pur, vous voyez ici hein, que ça va être accéléré par les forces de flottabilité, hein, et on va rencontrer à peu près 50 millisecondes, hein, le temps caractéristique, à peu près ici, là, à la hauteur, donc relativement haut dans la flamme. Hein. Bien. Alors l'intérêt de ces particules de suie, c'est qu'effectivement, lorsque on se penche un petit peu sur la modélisation, on se rend compte qu'il va y avoir un couplage fort hein, entre l'écoulement et puis les transferts radiatifs. Bon, alors les transferts radiatifs, si on veut les modéliser relativement proprement par les milieux continus, eh bien, on va faire appel à une grandeur ici qui est notée L' lambda, la luminance monochromatique directionnelle, pour laquelle on a besoin d'une couche physique supplémentaire, hein, une équation de conservation supplémentaire, qui va nous permettre en clair hein, de dénombrer les photons, ce qu'on fait en physique statistique. Et donc cette luminance, on la voit en particulier apparaître dans la conservation d'énergie, avec ici les termes de transport classiques, et puis l'équation est intentionnellement simplifiée, hein. Vous voyez ici un terme source, qui est la libération de la chaleur par les réactions dites de combustion, et puis un terme ici qu'on va appeler perte radiative, et vous voyez arriver la luminance monochromatique directionnelle. Donc si on veut obtenir le champ de luminance monochromatique directionnelle, on résout l'équation du transfert radiatif, hein, que vous avez ici sous les yeux, elle sera résolue cette équation pour obtenir la distribution de luminance monochromatique directionnelle. Alors on voit ici le couplage, hein, on résout cette équation de conservation de l'énergie pour obtenir le champ d'enthalpie, c'est-à-dire la température, hein, avec quelques approximations, et puis on voit ici dans l'équation du transfert radiatif un terme source, hein, qui est le terme donc piloté par la température, hein, celle que on vient d'obtenir grâce à la résolution d'équation de l'énergie, hein, et ce terme source va être piloté par la fameuse loi de Planck, okay. Donc une fois qu'on a résolu cette équation du transfert radiatif, hop, on peut effectivement la réinjecter dans l'équation d'énergie. Voici donc le couplage hein, brièvement mis en évidence. Bien. Alors si maintenant je fais quelques approximations et puis je vais dire les phénomènes de diffusion de la luminance, hein, je vais les négliger par rapport aux phénomènes d'absorption. Alors, je vais faire une hypothèse supplémentaire et je vais dire que les agents principaux de l'absorption sont les petites particules de suie. Alors, je vais aller chercher la limite de Rayleigh, de la théorie de Mie, qui va me relier ici hein, le paramètre qu'on appelle coefficient volumique d'absorption, kappa lambda, à la fraction volumique de suie. Okay, donc on voit ici apparaître la fraction volumique de suie qui va influencer kappa, qui lui-même va influencer la résolution de l'équation du transfert radiatif.
Okay. D'où hein, l'intérêt de vous montrer ici le champ de fraction volumique et le champ de température. Alors, effectivement, on va pouvoir mettre en évidence hein, le couplage entre l'écoulement, donc la flamme, et les transferts radiatifs. Je vous montre ici deux flammes d'éthylène. Vous voyez ici ce qu'on voit, hein, c'est sur cette flamme d'éthylène, on voit une queue de la flamme là, qui est relativement fermée. Hein, et en fait, fermée, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas échapper les particules de suie. Les particules de suie qui vont être formées seront consommées avant d'être éjectées. Et à l'inverse, ici, vous voyez hein, un panache, voilà, une traînée, hein, qui trahit l'échappement de particules de suie par le queue de la flamme, où il s'est donc passé quelque chose. Il y a eu un étouffement des réactions de consommation, d'oxydation des particules de suie. Alors, maintenant, si à l'inverse, je veux essayer de raisonner expérimentalement, et je me pose la question, quelles sont les grandeurs dont j'ai besoin, et justement, à quel point les pertes radiatives vont contribuer à ce phénomène d'étouffement de la réaction localement, donc en queue de flamme. Vous voyez ici que si j'arrive à mesurer le champ de fraction volumique, si j'arrive également à mesurer, je vais pouvoir obtenir le paramètre kappa, également l'équation du transfert radiatif simplifié. Du coup, je peux la résoudre, hein, et j'ai puis employé par Jean-Louis Consalvi, une méthode aux ordonnées discrètes qui me permet d'obtenir le champ de luminance monochromatique directionnelle, et donc de l'injecter ici, hein, de sorte à obtenir la distribution extérieure de la flamme. Alors pour ce faire, à D'Alembert de développer une technique intégrale qui s'appelle l'absorption-émission modulée et que je qualifie ici de méthode spectrale. Alors pourquoi spectrale? Parce qu'on utilise trois continues, hein, qui donc trois parce que nous en avons une bleue hein, 405 nanomètres, une rouge à 645 nanomètres et une proche infrarouge à 785 nanomètres. Alors, vous avez ici un certain nombre d'éléments optiques qui permettent de ce qu'on appelle la table d'émission d'obtenir un faisceau laser collimaté à trois longueurs d'onde qui va venir sonder la flamme que vous voyez ici. Et on va récolter spécifiques sur chacune des trois caméras les trois longueurs d'onde que donc vous voyez ici le pourtour du faisceau laser collimaté et vous voyez ici du tube d'injection de l'éthylène. Alors vous voyez ici la dynamique, hein, ici le bleu, ici le rouge, ici le proche infrarouge, et à mesure qu'on a, un phénomène d'émission qui l'emporte sur le phénomène d'absorption. Et effectivement, en fait, cette technique utilise les deux phénomènes, absorption et émission, montés au champ d'inconnu que sont la fraction volumique. Alors je vous montre directement des résultats ici, qui donc d'ouverture de la flamme que l'on appelle le smoke point. Alors vous voyez ici 5 flammes, oui, à E. Hein. Les 4 premières ici sont à type, hein, c'est-à-dire que fermées. Elles ne laissent pas échapper de particules de suie. Et puis la dernière ici laisse échapper des particules, comme je vous montrais tout à l'heure sur le panneau. Là, cette fois-ci, ce sont des champs mesurés. Toujours à gauche, la fraction volumique, à gauche, le champ de température. Hein. Et, fonction de la hauteur au-dessus du brûleur, volumique intégré, c'est-à-dire hein, intégré le long du rayon. Hein, donc on voit, hein, lorsque l'on monte dans la flamme, eh bien on a une production de particules de suie qui augmente jusqu'à un certain point, et puis les phénomènes d'oxydation, de consommation des particules vont prendre le pas, hein, et puis venir donc consommer soit intégralement l'intégralité de la charge en particules de suie, ça c'est vrai jusqu'à la flamme D, et à la flamme E, vous voyez ce palier, hein, qui trahit la libération de particules par par la queue de la flamme. Bien, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on a ces deux informations, eh bien, on est capable hein, de cartographier localement les pertes radiatives à l'intérieur de la flamme liées aux particules de suie. Ça, ce sont donc les cartographies en bilan radiatif au sein de la flamme. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on est capable l'ouverture de la flamme aux pertes radiatives. Alors, je vous montre ici hein, la stratégie qu'on a adoptée ici pour mettre en évidence cette partie de l'évolution de cette fraction volumique le long
de la hauteur de flamme. Hein. Je vais prendre la référence 0 pour chacune des flammes, là où eh bien, l'oxydation formation. Okay, donc c'est-à-dire à partir du moment où c'est ce qu'on vous représente ici de façon adimensionnée, hein, la fraction volumique le long de Z adimensionnée par la charge initiale à la hauteur initiale. Bien. Et puis ici, sur l'axe X, je tire profit des cartographies que je vous montrais juste avant, hein, pour pouvoir cumuler les pertes radiatives, hein, à partir de 0, à partir de cette hauteur-ci. Et vous voyez ici, hein, que à mesure de la flamme A à la flamme D, hein, c'est-à-dire à mesure que l'on augmente la charge en particules dessus, eh bien, on atténue la pente de consommation des particules. Alors ça, c'est une première corrélation. Et puis, on va constater ici que pour la flamme juste avant l'ouverture, le largage des particules, hein, c'est la flamme ici en noir, hein, on a les flammes A, B et C, on va encore avoir une tangente verticale qui trahit la consommation totale. Et à l'inverse, hein, vous voyez l'inversion de tendance, une fois qu'on a passé le smoke point, une fois qu'on largue les particules, hein, cette tangente verticale n'est plus là, hein, et on va donc larguer les particules. Alors évidemment, on n'a pas inventé grand-chose. Dans les années 90, Glassman avait déjà identifié, hein, ce qu'il avait appelé le quenching radiatif local, mais jamais au préalable, les cartographies locales des pertes radiatives n'avaient été menées dans cette flamme académique. Bien, alors je me permets de poser une question ici. En partant de cette flamme ici, hein, qui est donc une flamme d'éthylène, okay, hein, qui brûle dans de l'air. Et donc je leur pose la question, ben, qu'est-ce que vous feriez si je mets à votre disposition de l'air, par exemple, pour éviter le largage de particules? Alors, généralement, un certain nombre d'entre eux ont le réflexe, l'intuition de me dire, ben, mettons de l'air, hein, avec l'éthylène, okay, avec l'écoulement d'éthylène, pour provoquer des réactions de gré, hein, la réaction de formation d'agencement des carbones entre eux en l'absence d'oxygène. Si on met de l'oxygène, on doit pouvoir contrecarrer ça. Eh bien, en fait, hein, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Depuis de l'éthylène pur sur l'axe, on a mis de l'oxygène avec l'éthylène et hein, on constate qu'en fait, on largue de plus en plus de particules. Alors, pour comprendre un petit peu ce paradoxe qui met ici en évidence, hein, la difficulté de contrôler le largage de particules, eh bien, on a donc accès à des mesures toutes de particules, toujours à droite la température, et puis vous voyez que ici, à mesure que l'on augmente la teneur en oxygène au sein de l'écoulement combustible, en fait, on a un réchauffement, hein, en amont, vers l'amont, de l'écoulement combustible. En fait, on va ici provoquer initialement plus de réactions de pyrolyse, hein, on va permettre en fait qu'ils cassent les molécules d'hydrocarbures plus facilement, hein, plutôt que de provoquer leur oxydation. Donc en réaction de formation, hein, et c'est en fait cet effet qui va l'emporter et qui va donc au départ former plus de particules, comme on le voit ici, hein, sur la cartographie, on augmente la teneur en particules. Bon, effectivement, au bout d'un moment, hein, carré finalement, hein, en mettant encore un peu plus d'oxygène, à contrecarrer cet effet, on va revenir, hein, à une diminution de la charge en particules lorsqu'on injecte un peu plus d'oxygène. Bien. Alors, je passe maintenant sur les particules de suie, hein, mon discours du jour, et la propagation de flammes en micro-pesanteur au sein donc de Diamonds, et je vais essayer évidemment de tirer profit de ce que j'ai fait avec des flammes académiques, pour essayer d'imaginer ce qu'on peut faire ici avec notre flamme qui se propage en micro-pesanteur sur une gaine de polyéthylène. Bien. Alors je vous montre ici une vue en coupe, hein, de la chambre de combustion. Hein. Vous voyez ici la flamme, hein, qui se propage sur le fil. Vous voyez ici en fait, hein, la préparation de l'écoulement qui va venir du bas. Hein. Alors on a ici, donc on alimente ici par des bouteilles de gaz comprimé, en particulier de l'azote pur et de l'air, hein, qu'on va mélanger en ligne, de sorte à obtenir un mélange à composition variable. En oxygène. Vous avez ensuite ici un lit de billes de verre puis un nid d'abeilles qui vont permettre de redresser des lignes de courant et d'avoir un écoulement oxydant parfaitement laminaire et parallèle à l'axe du fil. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, ça c'est le porte-échantillon que l'on insère ici à l'intérieur de la chambre.
Bien. Alors, je vous montre cette fois l'installation de Diamonds à bord de l'Airbus 0G. Vous avez ici un rack bouteille, c'est là qu'on va mettre les bouteilles d'air comprimé. Vous voyez ici la gaine qui va permettre d'amener les gaz frais, donc le mélange azote-oxygène, au sein de la chambre de combustion que vous avez ici. Et ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle la vent line, la ligne d'échappement qui est reliée directement à l'extérieur de l'avion. Et donc, évidemment, tous les gaz brûlés vont être éjectés à l'extérieur de cet avion, qui va donc faire des paraboles au sommet desquelles nous allons obtenir la période 22 secondes de micro-pesanteur. Bien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la chambre de combustion permet en particulier de stabiliser des pressions sur une gamme de 1 à 3, de 400 à 1500 hectopascal. On va avoir accès à des teneurs en oxygène de l'écoulement oxydant de 0 à 21%, et puis des débits variables de 0 à en gros à 300 mm par seconde, qui sont relativement représentatifs des vitesses créées par les ventilations à bord des véhicules spatiaux. Bien, les échantillons ici sont des échantillons volontairement cylindriques. On va garder cet intérêt de l'axisymétrie de la configuration expérimentale. On va faire varier la gaine, le métal de lame métallique des fils, la gaine, et puis on va avoir une inflammation, comme je vous le disais tout à l'heure, par des fils de cantal portés à incandescence. Et on va pouvoir également étudier différentes configurations de propagation. Aujourd'hui, je vous parlerai uniquement des propagations dites contre-courant, c'est-à-dire une flamme que l'on enflamme en haut et qui se propage à l'encontre de l'écoulement laminaire qui l'alimente. Bien. Alors, je vous montre ici les expériences qui sont réalisées à bord de l'Airbus 0G. Vous nous voyez ici, ici de dos Augustin, moi-même, et de Jomas, un collègue de l'Université d'Édimbourg qui manipule un peu de temps en temps avec nous. Et puis, nous fermons donc, vous voyez, la chambre. Jean-Marie a dessiné intégralement cette chambre de combustion, de sorte à ce que nous puissions donc la fermer de façon hermétique, de façon assez simple. Nous sommes ici maintenant en train de régler les paramètres de la prochaine parabole qui s'annonce. Alors il y a un certain nombre de choses à faire, en particulier d'ajuster les paramètres de la visualisation par la caméra dont on va ensuite analyser les données. En particulier, il faut pouvoir ajuster la dynamique des visualisations. Et puis là, le pilote vient d'annoncer 30 secondes. 30 secondes avant le moment où il va tirer sur le manche pour rentrer dans la parabole. Donc, on lance les paramètres qui vont s'établir à l'intérieur de la chambre de combustion. Et puis, le pilote vient d'annoncer 10 secondes. Donc, les paramètres se mettent se stabilise progressivement, et voici la période d'hypergravité lorsque le pilote tire sur le manche de l'avion. Vous voyez, les personnes à bord cherchent à pas trop bouger, ce sont les fluctuations de gravité qui peuvent rendre malade. Vous voyez ici d'ailleurs la visualisation, le soft intégralement réalisé par Jean-Marie pour contrôler cette expérience. Et puis voici ce qu'on observe à l'intérieur de la chambre de combustion. Vous voyez une inflammation par le fil de Cantal, et puis la propagation le long de la période de micro-pesanteur. On essaie d'en profiter un petit peu, même si on n'est pas trop autorisé. Et puis, au bout de 22 secondes, le pilote rétablit dans la descente la trajectoire de l'avion, évidemment, et on a une procédure qui permet de s'assurer que tout est bien éteint à bord, à l'intérieur de la chambre de combustion. La chambre de combustion qui est d'abord mise au vide va être remplie, et puis on va pouvoir repartir sur la prochaine parabole qui s'annonce 1 minute 30 plus tard. Bien.
Alors, maintenant, les visualisations là, qu'on vient de regarder, eh bien, elles sont produites par cette caméra tri-CCD. Alors, tri-CCD parce qu'on va avoir accès à trois bandes spectrales différentes, tout comme on avait accès à trois bandes spectrales tout à l'heure, hein, avec la technique d'émission et absorption modulée. Mais cette fois-ci, en fait, on ne va pas travailler sur des bandes spectrales très spécifiques, et on va travailler sur des bandes larges, d'où le terme hein, Broadband Modulated Absorption Emission. Okay. Donc, vous voyez ici un objectif relativement important hein, par rapport, ça c'est à l'échelle, hein, donc relativement important par rapport à la caméra, et bien c'est un objectif télécentrique. Hein, c'est un objectif télécentrique qui permet donc en fait de ne récolter des faisceaux qui ne viennent que parallèles entre eux et qui viennent de l'infini. D'accord ? Donc ça c'est un peu pour faire écho à ce qu'on avait tout à l'heure sur le faisceau laser collimété. Et puis en face, on va avoir un jeu de LED, concocté encore une fois par Jean-Marie Citerne, trois jeux de LED, vertes, rouges et bleues, hein, dont on va pouvoir adapter chacune des intensités, et qui vont rétroéclairer la flamme. Et puis donc évidemment cette version hein, de l'absorption émission modulée apparaît donc ici là comme une version dégradée de la version dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pour faire les choses rigoureusement, eh bien tout simplement on a pris la flamme de Santoro, hein, la flamme académique dont je vous parlais tout à l'heure, et puis on a appliqué la technique dégradée, la BMAE donc, tout comme on l'a appliqué avec la SMAE, et puis je vous montre ici hein, le résultat avec à gauche le champ de perte radiative produit donc par les mesures de la SMAE, la technique relativement rigoureuse, hein, et puis les pertes radiatives cette fois-ci produites par la BMAE. Donc on a un accord relativement décent, hein, et puis en plus on est capable de quantifier hein, les incertitudes par rapport à la technique originale. Alors, une fois qu'on est à peu près sûr de ce qu'on fait, je vous montre ici hein, les champs de fraction volumique hein, pour l'une des conditions lors de la propagation contre-courant en micro-pesanteur. On est capable également de mesurer la température. Du coup, on est capable d'accéder au champ de perte radiative au sein de la flamme. Hein, et du coup, ensuite, avec les modèles de Jean-Louis Consalvi, on est capable d'accéder à la distribution de flux radiatifs le long du fil, hein, ici le cœur métallique, et ici donc la gaine de polyéthylène qui alimente la flamme. Donc vous voyez ici que le pic de flux radiatif attribué au suie en retour depuis la flamme vers la gaine, il est à peu près à 12 kW par mètre carré. Et puis on peut faire la même chose sur les flammes à gravité terrestre. Alors c'est difficile de comparer, hein, puisque la topologie du fil n'est pas la même, évidemment, à gravité terrestre, en particulier parce que le polyéthylène fondu a tendance à descendre du fait des forces gravitationnelles. Mais vous voyez ici pour l'exercice, hein, la distribution de flux radiatif. Alors déjà, hein, le pic n'est pas localisé au même endroit, il est localisé sur la gaine métallique, et en plus, vous voyez le pic, hein, qui n'est plus du tout le même, ça fait un peu écho à ce que je vous racontais tout à l'heure, en micro-pesanteur, on a des transferts radiatifs qui deviennent relativement importants. Bien. Alors je vous montre enfin ici des simulations numériques réalisées donc par Jean-Louis Consalvi. Vous voyez ici la gaine de polyéthylène du fil. Hein. Et puis vous voyez ici à différentes localisations, en fonction de R, la distribution simulée, ici en trait continu, et puis la distribution mesurée, ici en point rouge, hein, pour la fraction volumique de suie, et ici pour la température. Alors on n'est pas trop mécontent hein, de tout ça, c'est pas trop mal. Et puis du coup, on est capable d'évaluer ici le long du profil du fil. On reconnaît ici le bulbe hein, provoqué par la fusion du fil de polyéthylène. Hein. Et puis ici le cœur métallique. Et puis on est capable du coup d'évaluer le flux radiatif hein, incident sur le fil. Alors avec l'outil numérique, évidemment, on accède à des choses très intéressantes. En particulier, vous voyez qu'on peut enlever un certain nombre de contributions. Et donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la contribution uniquement associée aux particules de suie numériquement, en trait continu vert. Et puis ici, celle qu'on est capable de calculer à partir des champs mesurés, ici en pointillé vert. C'est pas trop mal. On est relativement content pour le moment. Bien.
Alors, je vous disais tout à l'heure, est-ce que effectivement, ce quenching radiatif local, est-ce que ça peut avoir une influence, du coup, pour essayer de contrôler le flux radiatif en retour depuis la flamme vers la gaine de polyéthylène. Alors, je vous montre ici, hein, donc les 3D flammes que je vous montrais tout à l'heure, à 700, 1000 et 1200 hectopascales. Hein, et lorsque on évalue la distribution de flux radiatif le long de ces fils, vous voyez que ici on passe à une petite contribution hein, à 700 hectopascales, hein, okay, à une plus grande contribution, un plus grand retour radiatif au fil à 1000 hectopascales, et puis on a une inversion de tendance. Hein. Alors on est en train de regarder ça, il faut prendre ça avec des pincettes, on n'est pas tout à fait sûr encore du résultat, hein. Vous voyez que c'est pas encore publié, mais il est bien possible que le fait de larguer des particules ait finalement une influence relativement bénéfique hein, sur en vue du contrôle de la propagation de fuite, puisque le flux est amoindri. Alors, je vous montre, depuis tout à l'heure, je vous parle de particules de suie, et puis on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on obtient comme type de particules dans ces flammes-là de polyéthylène? Bien. Alors, je vous montre ici ce qui a été imaginé par Jean-Marie Cisterne et Augustin Guimot pour prélever des particules de suie au sein de cette flamme. Okay, donc, toujours la même chose, hein, c'est toujours la même visualisation, si ce n'est que vous remarquez ici hein, l'ombre d'une sorte de plaque. Alors, cette plaque, en fait, hein, c'est une plaque de laiton, et puis on va la porter tout d'un coup à un fort potentiel, parce que dans la littérature on sait que les particules de suie sont globalement électropositives, et puis à un certain moment de la propagation, eh bien, on va mettre une forte tension sur la plaque, et vous voyez que la flamme se couche pendant sa propagation, et eh bien, lécher hein, la plaque de laiton. Alors, si je peux pas. Ah, alors, vous voyez ici le dépôt hein, de cette flamme, et puis on essaie de l'observer ensuite au microscope à balayage électronique. Vous voyez ici l'échelle hein, 200 nanomètres, vous voyez que ça ressemble beaucoup, hein, pour certaines conditions, à l'agrégat que je vous montrais tout à l'heure, avec effectivement des particules primaires avec un diamètre hein, relativement... entre 20 et 30 nanomètres. Et puis, ce qui est curieux, c'est que pour d'autres conditions, on observe des choses relativement différentes, des particules beaucoup plus petites. Okay. Et donc, on peut se poser la question quand même, est-ce que le niveau de pression ou la teneur en oxygène impacte sérieusement la morphologie des suies? Et si oui, est-ce que ça va avoir une influence sur la détectivité de l'incendie, hein, puisque une majeure partie des détecteurs aujourd'hui fonctionne avec la diffusion de la lumière par les particules de suie. Alors ça, c'est l'enjeu, hein, l'un des enjeux auxquels s'attelle Utaoli, qui est en première année de thèse avec nous sur ce sujet. Bien, alors en conclusion, quelques perspectives. Je vous montre ici prochainement hein, ce qui va être réalisé à bord de l'ISS, le module Kibo. Vous voyez ici l'expérience hein, avec en son sein là des fils, exactement la configuration hein, que film gainé de polyéthylène. Et donc après avoir passé le test sérieux hein, dit du karaoké, hein, je me sens pas autorisé à vous prouver avec le son que Augustin et Jean-Marie effectivement chantent très bien. Hein. Et donc après avoir passé ce test du karaoké, eh bien, nous avons pu travailler avec nos collègues japonais là à la calibration hein, de notre technique optique pour cette expérience réalisée prochainement sur la configuration donc des fils à bord de l'ISS. La deuxième perspective, eh bien, c'est on va continuer à contribuer hein, au projet donc Sapphire. Prochainement, il y aura d'autres expériences, en particulier pour sonder la détectivité par les particules de suie larguées par des feux à échelle réelle. Hein. Donc ça, c'est avec nos collègues de la NASA. Et puis, je reprends hein, cette citation de Marguerite Tursenard, et puis je vous montre ici en fait ce qui nous est arrivé lorsque nous avons cherché à prélever les particules de suie, hein, par un champ électrique relativement intense. Donc j'avance un petit peu, voilà, et puis on a laissé traîner un petit peu
le fort potentiel, et vous constatez que ben, on a réussi à éteindre la flamme. Alors on se pose la question, est-ce que ce genre de stratégie hein, pourrait aboutir à une stratégie d'extinction d'un incendie à bord d'un véhicule spatial? On travaille actuellement avec José Terreau et Augustin Guibaud, un démonstrateur pour le CNES. Et puis des stratégies passives, cette fois-ci sur la composition des polymères, hein, qui peuvent potentiellement, avec des matériaux intumescents, proposer au cours de la propagation la formation hein, d'une couche de protection hein, face à la chaleur imposée par la flamme. Et ça, c'est en collaboration avec Serge Bourbigaud de l'UMET de Lille. Et puis évidemment, on se pose la question, hein, on va faire une campagne de vol parabolique avec Serge à l'automne, et on se pose la question évidemment avec le couplage, avec la déformation hein, qu'il peut y avoir du polymère, et du coup ça c'est aussi une interaction avec Stéphane Zaleski, parce que cette déformation potentiellement, les techniques numériques volume of fluid pourraient contribuer à une meilleure, enfin une stimulation plus fine de ce qu'on fait actuellement, hein, donc en collaboration évidemment avec Jean-Louis Consalvi et son thésard Alain Coimbra. Je vous montre ici l'état actuel de nos capacités de simulation, hein. Vous voyez que quand même on obtient un niveau d'information assez intéressant au sein de nos flammes, ici le champ de fraction volumique, ici le champ de température, les lignes de courant, hein, calculées par le code de Jean-Luc Consalvi, et ça nous permet en particulier maintenant eh bien de partir de l'information locale, de l'intégrer, et de synthétiser les signaux. Alors je vous montre ici une flamme expérimentale, hein, et puis donc à la droite de l'axe du fil, et puis une flamme synthétisée, lorsqu'on synthétise à partir des champs locaux, eh bien, l'image attendue. Alors c'est pas trop mal, pour l'instant c'est pas trop mal, et effectivement, bah, du coup, je vous montre ici une propagation synthétique, hein, c'est-à-dire avec ce rétroéclairage simulé, et vous voyez que bon, on commence à avoir des choses intéressantes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, hein, tout ça se passe sans couplage hein, entre l'écoulement et puis la zone de pyrolyse du polymère. Donc on travaille évidemment à essayer de simuler ce couplage. Bien, voici, j'en ai terminé. Je veux effectivement remercier maintenant tous les étudiants qui ont travaillé sur ces travaux, et les collègues évidemment, et puis mes enfants, que vous avez entendu au départ, Maëlys et Clément, qui me permettent de lire, en particulier ces temps-ci, des comics relativement rigolos, que j'ai volontairement détournés. Pour vous remercier tous de l'attention que vous avez portée à mon exposé du jour. Voilà. Alors, je vais passer maintenant sur le chat en direct pour voir si. Alors, c'est pas ici. Ah, bon, alors je vais faire comme tout le monde, je vais faire YouTube d'Alembert. Voilà, et je vais donc regarder si des questions sont apparues sur le chat en direct. Voilà. Alors. Ah. Alors bon, il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion, j'espère que... Alors je vois que Simona me dit bravo, alors je sais pas, c'est pas daté malheureusement, alors j'espère que... Ah, bah, merci Simona de me dire que c'est moi, ça a très bien marché. Tu me confirmes Simona que c'est fini pour tout le monde. Alors qui se lance, voilà. En plus ces questions sont identifiées, hein, elles ne peuvent pas être anonymes. Ah, merci Daniel, ah, ça fait plaisir de voir que tu t'es connecté, Daniel. Alors, Daniel Bessens hein, est l'un des contributeurs historiques aussi au GDR. Merci Simona, c'est donc bien la fin. Alors, je ne sais pas si...
Ah, alors Stéphane, merci pour ta question. Ce que c'était que la représentation synthétique. Alors, je repasse donc sur ma présentation. Hein. Hop, voilà. Alors, la représentation. Je repasse sur cette explication-ci, hein, ce que c'était que synthétique. Voilà. Donc, je pars, hein, en clair, de l'information locale, hein, proposée par. J'ai un coup de fil de. Pierre, non, okay. Alors, je pars de l'information locale, fraction volumique, température. Okay? Et puis, je vais simuler, hein, l'information rencontrée le long du trajet optique, hein, qui mène. Depuis, alors je vais reprendre ça à partir du schéma de la BMAE, qui est ici, d'accord? Donc, et puis je vais prendre un trajet optique, hein, donc direct, hein, qui passe de façon droite et parallèle à l'axe de l'objectif au sein de la flamme, d'accord? Donc je vais avoir l'information température et fraction volumique, je vais résoudre l'équation du transfert radiatif, hein, que j'évoquais tout à l'heure, de sorte à pouvoir synthétiser ce que je peux espérer sur chacun des CCD de la caméra. Okay? Et donc, in fine, alors évidemment, ça nécessite, hein, la calibration d'un certain nombre de caractéristiques de la caméra, hein, et c'est donc ce qui nous permet ensuite de synthétiser l'information intégrale sur le capteur de la caméra. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Stéphane. Non, c'est pas ça, c'est non plus, c'est pas là, c'est ici. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ici. Stéphane, est-ce que j'ai répondu à peu près à ta question? Alors, oui, on l'a suppose connue, mais elle est simulée, hein. C'est une simulation numérique qui donne accès à l'information dont on a besoin pour intégrer le signal jusqu'au capteur. Donc, c'est pas qu'on a. Ouais, ok, d'accord, merci Stéphane. Alors, quelle différence entre coflow et contreflow, me demande Régis Wunenberger. C'est une très bonne question. En fait, ce ne sont pas les mêmes phénomènes, hein, qui pilotent les propagations contre-courant et co-courante. Alors, si je reviens à mon schéma. Ça s'affiche lentement, mais bon. Si je reviens à mon schéma initial, qui doit. Voilà, qui est ici. Bien. Lorsque je reviens à ce schéma, hein, ce que je représente ici, hein, c'est une propagation co-courante. Okay? Pourquoi co-courante? Parce que tu vois la forme de la flamme ici, hein, qui est en clair, hein, au sein d'une couche limite. Hein, eh bien, la flamme est au-dessus de la gaine qu'elle est en train de consommer. Okay, donc c'est une propagation co-courante comme l'est celle-ci, hein, d'ailleurs. Hein, d'accord? Et donc en fait, les transferts radiatifs en particulier vont beaucoup jouer. Hein, on voit bien que ici, la flamme qui est très chaude va pouvoir irradier de façon relativement significative qui va l'alimenter. Et à l'inverse, lorsqu'on est en propagation contre-courant, comme je l'ai montré sur les résultats, hein, eh bien la flamme n'est pas au-dessus de la gaine, hein, qui est en train de l'alimenter. Donc, si on se réfère par exemple à cette représentation-ci, d'accord, hein, la flamme n'est pas immédiatement au-dessus, hein, du coup, elle irradie quand même beaucoup la gaine métallique qui ne l'alimente pas, elle irradie un petit peu moins la gaine de polyéthylène qui l'alimente. Alors, pourquoi on s'intéresse à celle-ci? Ben, en fait, on s'intéresse en particulier à celle-ci parce que elle nous permet d'avoir des propagations stationnaires. Donc, je n'ai pas trop rentré dans les détails des effets stationnaires et instationnaires, hein, parce que dans un premier temps, on s'intéresse à des propagations qu'on arrive à rendre stationnaires sur les 22 secondes de micropesanteur, et il se trouve que c'est plus facile d'obtenir la vitesse
stationnaire de propagation avec une flamme contre-courant, pardon, avec ces flammes-ci, plutôt qu'avec la flamme contre-courant, qui, par contre, serait plus intéressante à étudier pour l'aspect radiatif. Mais là, on n'a pas encore réussi à faire ça pour le moment. Régis, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Je ne sais pas si Régis est satisfait de ma réponse. Ok. Régis est satisfait de la réponse. Il me semble que effectivement, oui, j'ai essayé d'expliquer. Donc Régis me demande sinon tu as expliqué que les suies envoient de l'énergie vers le fil. Oui, bien sûr, oui, les suies sont les agents, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au départ. Hein. Alors je vais revenir du coup sur les équations que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je vais reprendre ça. Ok, voilà. Donc, si je veux le mettre ici en évidence hein, sur cette équation, voilà, plus j'ai une forte concentration FV hein, en particules de suie, plus mon coefficient volumique dit d'absorption va être important, okay, donc plus je vais avoir un aspect semi-transparent au milieu que je suis en train d'étudier. Okay, de la même façon, plus la température est élevée, plus ce terme source est élevé. Hein, et donc, plus localement, je vais avoir de contribution hein, à l'élévation de luminance monochromatique directionnelle. Okay, et donc, une fois que ça s'est relativement intense, eh ben, on voit que, du coup, on a une puissance radiative volumique locale plus importante. Okay, alors, une fois qu'on a cette distribution, okay, eh bien, aux conditions limites hein, de la résolution de l'équation du transfert radiatif, hein, voilà, eh bien on obtient en fait ce type hein, de distribution. Okay, là, pour la modélisation de Jean-Louis Consalvi, l'interface entre le fil et l'écoulement ici hein, est une condition aux limites. Okay, et donc à cette condition aux limites, on est capable d'évaluer le flux radiatif attribué aux particules de suie, hein, celles qui ont donc une fraction volumique et une température simulée au sein de la flamme, ou mesurée au sein de la flamme. Hein. Là, ici, ça, c'est le champ de fraction volumique et le champ de température mesuré qui ont permis d'accéder à cette distribution de flux radiatif. Donc oui, tout ça hein, est fait soit numériquement, soit expérimentalement. Hein. Et tout à l'heure, je montrais que la distribution expérimentale n'était pas trop éloignée de la distribution calculé numériquement. Ah, j'espère que j'ai répondu, d'accord. Donc Régis m'a dit qu'il avait des problèmes de transmission à ce moment-là. J'espère que j'ai résumé clairement la procédure qui permet d'accéder donc au flux radiatif émis par les particules de suie vers la gaine. Alors, Alexis Matinia, prélèvement de particules. Tu as expliqué qu'il semblait y avoir des différences sur les propriétés des particules en fonction des conditions. Quelles sont-elles ? Alors, c'est exactement la question que se pose Yuta Oli. Hein, donc, je ne vais pas répondre pour lui, hein, parce que c'est son travail. Et donc, oui, effectivement, on en observe. Hein, je vous ai montré deux conditions différentes et deux morphologies totalement différentes. Hein, donc, on y travaille. Hein,
Actuellement, on ne sait pas encore exactement hein, quelles sont l'influence des paramètres, en particulier les influences couplées, hein, pression, oxygène, sur la morphologie des particules formées au sein de la flamme. Alors, une dernière question demandée par Pierre-Yves. Elle tarde à venir cette dernière question, donc je. Alors, Augustin, qui se connecte depuis Londres. Donc, ce qui se passe au Japon reste au Japon. Dans le cadre des connaissances actuelles des couplages radiatifs sur les effets d'albédo, comment interpréter cette trahison? Tu peux préciser, Augustin, ce que tu appelles trahison? Est-ce que tu parles en fait de tes efforts pour t'intégrer au test du karaoké? Là, tu remarqueras, Augustin, que j'ai pris soin de ne pas dévoiler le son. Hein, Tout le monde sait que tu chantes très bien. Merci à vous tous alors pour cette séance qui allie l'expérimental et le numérique. Donc Pierre-Yves, je vais me permettre de mettre fin à. Cette retransmission. Je vous remercie beaucoup, tous, chaleureusement, d'avoir contribué à cette expérience. Et encore merci à Raphaël, hein, pour son soutien sur YouTube, là, jusqu'aux dernières minutes, il a sauvé la mise. Merci beaucoup à Raphaël, merci à tous. Hein.